on a déjà commencé. Donc, vous connaissez M. Bangura Bundes. Voilà. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il nous a fui. On est parti le récupérer encore. Nous allons parler. Small Press, comment tu vas? Nous allons parler du déguerpissement en basket. Je pense qu'il va plus parler en soussou et puis soussou français. Et puis, nous allons parler des deux amis parce qu'apparemment, on dirait que le grimpeur, il a un contrat avec Abdallah Bangura Nadi. On dirait que grimpeur a un contrat avec le Sénégal, avec Macky Sall. La façon dont il parle de Macky Sall, je me demande si Macky Sall parle de lui autant. Après, je ne sais pas trop. Donc, nous allons parler de ce qu'il a dit cette fois-ci, ce nationalisme, cette manipulation que les Guinéens vivent depuis que la Guinée est Guinée. C'est pourquoi on dit que c'est toujours le même système. Oui, tous les pays nous en veulent. Le Sénégal nous attaque, le Sénégal nous en veut, tout le monde nous en veut. Et dès que tu dis ça aux Guinéens, le Guinéen se braque, il pense que tout le monde entier est contre lui. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand il est arrivé au début, le Sénégal n'était pas contre lui. Maintenant, le Sénégal est contre lui. Donc, je pense que nous devons faire attention à toutes ces choses. Quand on parle de changement, c'est tout cela le changement. Changer nos façons de voir les choses. Depuis que la Guinée est Guinée, pardon, on nous raconte la même histoire. Tout le monde est contre nous. C'est possible, peut-être que c'est vrai. Mais depuis qu'on pense cela, qu'est-ce qui a changé? Tous les présidents qui disent cela, est-ce qu'ils font notre bonheur? Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas eux-mêmes qui sont contre nous? Donc, je pense qu'il faut réfléchir à tous ces paramètres et voir les choses différemment, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Quelquefois, celui que tu crois être ton ennemi, peut-être que ce n'est pas lui ton ennemi. Et même si c'est ton ennemi, peut-être qu'il faut changer de technique et de méthode pour voir peut-être ce qui peut se passer plus tard. Je ne sais pas, moi je ne vois pas ce que ça vient faire là. La difficulté à venir, ce n'est pas une surprise. Je ne vois pas c'est quoi la surprise dedans, de dire que les Guinéens s'attendent à la souffrance en quelque sorte. C'est tout à fait logique, cela est tout à fait normal et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous n'allons pas passer encore 6 ans dans ça ou 2 ou 3 ans dans ça encore. Il faut qu'on arrête avec ça pour se dire que quand un président est là, on sait déjà lui comment il est arrivé. On sait comment il est arrivé au premier mandat, au deuxième et ce troisième qui est encore plus bricolé que les deux précédents. Donc nous devons nous-mêmes faire attention. Comment tu vas? Nous devons tous faire attention à ces choses. Depuis Sékou Touré, le monde entier est contre nous. Et cette fois-ci, avec Alpha, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. C'est le Sénégal maintenant. Bizarrement, la Côte d'Ivoire est devenue notre ami. Pourquoi pas le Sénégal? Donc, vous voyez que c'est de la manipulation. Il faut que les Guinéens voient les choses d'une autre façon. C'est dépassé ça. C'est une autre époque. Donc, c'est de la diversion. On va donner la parole à M. Bangura. Oui. Et puis voilà. On lui souhaite la bienvenue. Voilà, merci. Il est celui, hein, de toute façon. Donc voilà. Ouais. Merci, ma soeur, de m'avoir donné cette occasion encore de m'adresser au peuple de Guinée, et en particulier la basse-côte. Ceci dit, je vais m'exprimer en soussou, comme tu l'as dit. Oui. Kabilere raketo wembedi. Et nous, Marie, donc, dit situation politique nara. Nara la Guinée concernée, surtout basse-côte. Akolo motan, ntanyo, anou fori malig. Même la compte, anou dime, bébé, moyama. Oui, mota fala lo na mona re rakeli ye na fe na ngou maike na na ram préparer fe fa ni mara la Guinée be et na ram mosa basket cadre en contre. Il faut sali mota no na ne nambe parce que to de na ne na hore na na ngou ala na kolo. On to fili na ba no ma bere alpha conde ira ala na kolo.
Pour un petit rappel, Guilherme, gouvernement a fait feu au Mouna, Kachorima. Nara Mamota, Amota Mouama, Mamona, Mabé, et m'en va d'or hôtel Bama, Anara Tankara, attend docteur Thierry. Akolo il n'a fait moi le tour, un sari ramrima, Aratangamanea, Falabe, Arasi. Arasi rama, mais Aluna. Anasato, Aratou, Manatem, on a renvoyé. On a la situation dans le pito. Il a dit, mais malin, il a équipé malin, narang, motam, divertiment, et nous, mot sendela. Motana na ngoma moda ngoma mora wali ngoma onata na iki o poro afule ena falara ndende yo bombo fe ndende la ba da rire leri ina afule ina mbali fe ra mangasto fule mbali fe miki mona rebe fule fe muya maninke fe muya so so fe muya system na ya ndende yo ti di system kulima ekim manesa kumane ifi ndende yo la abaraba kanama la manike gine na rang alpha konde na rang na ra aka ma kut ko ni tongoma ana sa alpha konde ra alpha konde muna sa magi alpha konde muna sa magi mona ra flo be mona ke fule axe di mena gere na rang sofe ki wokeli we mali e da yu maya gere na ngoma e na botela ba gere na ngoba wokeli we mali on va traduire après wokeli we mali wokeli wo axe di me mali ye wa ma wonta ge na diversion nan na bafe ina ge axe di me ma ye kun sam wonta nan ma wonna na nan ku yiki to so so di mu no ma ku magere so di fule fo mbar do ko mu no ma fa de non dinara e non dinara kai dinara e non dinara sende so se na a te na mo konte konta be na o konte ali waro ko voilà tout. Donc, ce soir, je vais vous montrer la DB. Et quand on comprend, on a mis une reine à la bile et la ratie de colo. Une reine à la fée, une ratie, une fée sans forme. Une fée ou une canafée. Et bile sans. Et quand on a quitté la bouille, et quand on a fait la dague, et quand on a fait la dague. Donc, la fée n'a pas de barre, n'a pas de barre, mot à mourir. Et la barre à la nana. Parce que quitté la bouille, colo, fée n'a pas de barre, quitté la bouille. Et colo. Hein? Misilmi tagi takum fenara ira tagam fe yokum magere so fenara parce que onna na kay kito e foule faar nego d'accord ya ti dime mo bongo nego d'accord ene tan faar ne gbe bar ba fe yama mais won tan na nimise na kan kito won na nimise nun tore na kan kito na dany nan sadaki nan nan safala naki ira bangi la bila fe ya bangi di kobidi na kan sati depuis 1900 hoha eh ikima yoku adegar pisman bangi ga sara bira han fanye fanye ma frenya kan bira han ma frenya kan bira adegar pisman fe na ya adegar pisman fe na ya donc na ka ke tanne etama ne rebinti motan kanke na fema na ka ke ne ma motan ni na matanga fe awon na wombi laga so wombore na nyira no fule maninke sosi berse alfa konde no mayira bade wonnan amuno mayira bade wonna to abara won tagi tahun won de mbara findi enaka e ga kile mu kana mafu ga di mo iyo donc nan de bara findi won tam mafu galira to won mu no ma won 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 ma yo maya na kana wo ma won ga gire so na fala madi sosi ga kata قالوا غير راكي غار لي كبا اني بور ادم دي تو غيري نغان سورا بين يخ ايسا كونتر اقليا موري ندينا انا الى انو مغين دي بغب وينغني الو فوري مالك مالك مو نومبا سادي كاسور فوفانا كونتر مالك تارانا نا كاسور فوفانارا كاسور فوفانارا ولي بي مالك مالك كمارا نانو رباما بين اغاس كاميري لوغوي لوغوي تنارا مام ناتولاي كونتي فاناكي même là tout là il compte na lance la compte à banque dans qui ba mama présidence et mon homme ça des mérite contre na qui tout
et Raquel m'a sorti de la main, ouais, il est mort. Et il fait la barre, il dit. Autant tu y fais ton mot, autant y est rafé, il faut la mec. Pourquoi, ouais, il faut la main. Et mon amour là-bas, Bidin n'a pas eu ma fille, parce que Bidin, Bidin a été quand dans Qatari. Toi, ce sont des nanas torts et cuitos. Ne pas ma torts et cuitis. Mais rien de la sebe bébé, quand même, mais rien de la sebe bébé, quand même dans Sangaridi. Dans Sangaridi, dégarpissement naya. Attends, sincèrement, à quoi ça arrive ce truc-là? Non, mais c'est de la mauvaise, c'est de la mauvaise foi. Anna, et nana mamone, Alpha Condé n'a pas gouvernement. Anna a fait matière, n'est moné, n'a pas fait société. Et vous n'avez pas les sociétés, moi, ça tombe à Kyoto. Donc, faut rafler, faut le fouler, n'a pas. Et forestier, c'est un des. Voilà, Kassori, Tabba, Kassori, Mirinara. Comment on appelle ça? C'est. Tellement qu'il veut diriger, il est prêt à tout faire. Alors, tu as un peu de la Guinée. Et voilà, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Hanya. Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Est-ce que vous avez un slogan? Bon, on a un abandon. Et on a un parce que la Guinée est bien en Bourbi. On a résumé un peu en français rapidement. Néra pour Moussara et Goro et Raoul parce que je voudrais un peu terminer la partie. Alcoïra, il fallait bien français. Oui. Néré Naraba, Néré ça, car sur le nom a fait Mathieu Biling. Sans pharma, et n'a rien fait là-bas. Arake n'est un amant. N'en est-nous à la tagi. Agbegbena na kitabu garangri era te ki kolo era goro ki kolo or kitabu ikui misil me di bilin ngar kere inara na tagi na tagi tagunda imuna inara ba ibara ibarati ibarati ala ala comment dire ça ibara ala kono fera ba donc na nenu ala tagi anu sose ka miskina ya sose lu fe miskina ya kuito. Et nous faisons, et quand on m'a fait, n'a pas dit, donc, il y a société, il y a qui fait gérer, qui fait, la Guinée fait bien, n'est-ce pas? Et moi, on a assez l'eau d'aller, Mali fait nana. Non, c'est au-delà de celle-là. Et moi, on a nana. Celle-là a fait un premier travail. Celle-là, Wali Singe, nana, barre. À la manière où la Guinée, Kabila, ça a rougné, non? Pays il n'a pas fait, mais c'est moi. Alpha Condé s'est préparé, mais il n'y a pas fait. Mais il n'y a pas fait, mais l'arbitrage n'a pas fait. Donc, nande nanu nara, franchement, la Guinée qui est reconnue, Alpha Condé système nara. On va oublier son bon bon, il faut le faire, mouya. C'est l'ouda l'enfermé qui. C'est l'ouda l'engéré, n'en fonori. Avant la Kiradi n'a pas barré, non, non, tu dis. A Kiradi n'a pas barré, il est fait, moi. Donc, Alpha Condé Fafé, on a moins un an à foufé sur ce démonaki. N'a moins un, Faras foulé, n'a masigawo nanou, à nous forestiers, à nous maninkende, n'a rien à ton yagebe, Farané n'a masigawo nanou, offre au masoko pour nous éteindre. Et ma colon, hante et mato, parce que hante à mon dinta, qu'il a signé. Donc, on a un nara. Bon, moi je vais faire en conclusion à ma façon. Hein. En fait, il parle de cette histoire de déguerpissement. Voilà, donc au début, quand les gens se battaient sur l'axe et tout, eux ils se battaient là, lui, Malik Camara et tous les autres. Quand ils parlent au bascottier, ils se disent non, vous êtes contre les cadres de la bascotte, vous n'aimez pas vos frères, vous voulez aider les peuls. Eux ils ont toujours dit ça, ce n'est pas une histoire de peuls. Ça commence là-bas. La finalité, ça sera sur nous. Donc, on va les aider à se battre parce que c'est pour tout le monde, c'est pour tout le pays. Donc, au final, aujourd'hui, tout se retourne contre la bascotte. Ils ont tout déguerpi.
jusqu'à Mafereya. Moi, j'ai rajouté que c'est jusqu'à Forcaria. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit que c'est jusqu'à Sangaridi. Donc, c'est de la mauvaise foi. Il dit que c'est de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté de Alpha et de ses gens. Parce que c'est un truc qui n'est pas fondé. Les gens qui sont là depuis, je ne sais même pas, leurs ancêtres, on vient les jeter dehors comme ça, sans rien, sans aucune explication. Donc maintenant, certaines personnes commencent à comprendre. Bon, peut-être que c'est trop tard, je sais pas, mais moi, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Voilà, justement, ce n'est pas trop tard. On va parler de ça après. Donc, c'est un peu en gros ça. Ceux qui ont fait cela pour monter les gens les uns contre les autres, tandis qu'on devrait se donner la main, ce n'est pas une histoire de Peul, ce n'est pas une histoire de Sélou-d'Alain, ce n'est rien de tout ça. C'est une question de Guinée. Parce que quand ça finit sur cette ethnie, ça va sur l'autre ethnie. Mais si les gens sont unis et se donnent la main et ils savent que c'est pour tout le monde, là, on aurait pu se battre depuis longtemps aux côtés des jeunes de l'Axe. Mais quand on disait cela, ils se disaient, non, vous voulez aider Dalaire, vous voulez aider les Peuls, ma chère, voilà, et tout. Donc, au final, on se retrouve dans cette situation. Donc, en gros, brièvement ramassé, en conclusion, pour ceux qui ne capte pas bien le sous-sous, parce que même si tu ne captes pas bien, tu as une petite idée de ce qu'on est en train de dire. Donc, en gros, c'est ça. Donc, moi, je vais tout simplement dire qu'il n'est pas trop tard. Je vais rajouter cela. C'est pas lui qui a dit ça, c'est moi qui le dis. Il n'est pas trop tard parce que leur calcul est que on pense que c'est trop tard. Justement, il faut surprendre parce que eux, ils nous surprennent toujours. Quand on est là, ils sont par là-bas. On va par là-bas. Quand ils sont par là-bas, on revient par ici. Il faut être concentré sur une seule chose. C'est pourquoi, quelquefois, quand je parle de ça, les gens pensent que non, elle défend Dalaire, machin et tout. Non, ce n'est pas une question de défendre Dalaire. C'est une question qu'ils pensent qu'on ne va jamais le faire. Ce qu'ils pensent qu'on ne va pas faire, il faut qu'on essaie de faire cela, que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais ce que le camp adverse n'imagine pas que tu fasses, c'est ce que tu dois faire. Parce que si le camp adverse a déjà calculé, vous voyez, ça c'est pour embrouiller tout le monde. Ah, c'est trop tard, après ils vont s'occuper des terres, des maisons, de la pauvreté, quoi manger, la maladie, la souffrance. Comme tous ceux qui l'annoncent à Priya et autres, ils annoncent cela à chaque sortie. Il faut vous préparer à la... Ça c'est pas pour Bounder, c'est ça c'est moi mon point de vue que je suis en train de dire. Il faut se préparer à la souffrance. Moi je vais vous dire, ceux qui vont regarder cette vidéo et ceux qui veulent perdre espoir ou ceux qui sont fatigués, ne vous fatiguez pas. On n'est pas obligé, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas gagné ses élections. Quand une personne n'a pas gagné les élections, il commence déjà par se comporter mal. Il faut lui rappeler que là où il est, il n'est pas à sa place. Donc, il n'est pas trop tard. Ça ne veut rien dire. Il y a eu, comment on appelle ça? L'investiture, il y a eu ci, il y a eu ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Rien du Ibeka est tout. parti 2 ou 3 ans avant la fin de son mandat. Voilà. Ça s'est fait. Mais il y Oui. a des choses qu'on fait pour prouver aux gens que ce que vous imaginez, on peut aller au-delà de ça. Pourquoi moi j'insiste toujours sur cette histoire d'élection? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour embrouiller ça. Ce n'est pas Ben pour autre oui, chose. bien sûr. C'est pour Bien embrouiller sûr. ça. Ce qu'on veut embrouiller Oui. là, nous, il faut qu'on revienne là-bas. Parce que tout ce qu'ils ont fait depuis tous ces 10 ans-là, ils savaient qu'aujourd'hui allait arriver. Donc, ils se sont dit, OK, on sait que les Peuls sont beaucoup téméraires, ils sont très visionnaires, ils vont voir plus loin. Ce sont ces anciens groupes à lui, les Bamoumoudou et autres. Donc, il connaît la technique de l'UFDG et les autres partis. Il sait comment ils fonctionnent. Donc, il a mis tout ça en avant, le Soso Gang, parce qu'il y a plusieurs clubs. Il y a le Fulani Club, il y a le Konya Club, il y a le Soso Gang, il y a le Le Manika Club, sociogastrique. le Mandel Club. Donc, le Soso Gang est anéanti. Ils ont On même est pas tous de comme leader. ça. C'est Dos mort. à dos. La banque est Oui. finie. Tout cela, c'est pourquoi c'est une question de mauvaise foi. Il faut rester du côté de la vérité. Parce que tôt ou tard, c'est ce qui va triompher. Donc, il dit que ce que Dalai a commencé là, c'est-à-dire, il a commencé un combat. Moi, je dis qu'il n'a même pas commencé le combat. Il a juste un peu balayé la route pour nous montrer le chemin. Donc, c'est à nous maintenant de terminer le reste. Donc, en gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Il préfère parler en sous-sous parce que c'est pour plus les gens de la basse-côte, ce sont eux qui sont le plus ils sont KO quoi. Donc c'est pour cela et aussi ils ont été plusieurs fois attaqués sur les réseaux sociaux sous toutes les formes. Aujourd'hui les gens veulent faire marche arrière, on va se donner la main, machin. On va se donner la main, c'est très bien de se donner la main, mais ce qui est cassé, ce qui est gâté, comment vous allez reconstruire cela? Et vous allez vous donner la main sur quelle base? Ben Sur quelle base, voilà, parce sur que quel fondement? moi personnellement, je ne crois pas à cette main tendue.
Voilà. Parce que toujours, c'est-à-dire, la situation, elle continue. Elle ne fait que s'accentuer, s'aggraver. Oui. Il y a beaucoup, combien de familles aujourd'hui qui sont endeuillées, qui dorment comment dirais-je, À la belle étoile. à la belle étoile. Il y a combien de familles? Combien de familles endeuillées sur l'axe? Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on réfléchisse rapidement sur la situation et qu'on revienne. Alpha ne fait que divertir. Il ne veut plus qu'on parle d'élection. Tout son mal, il a quelque chose qui le ronge en lui actuellement. Le fait que celle-là ne l'a pas reconnu. Ah, ça le travaille jusqu'à présent. C'est normal. Ça le travaille jusqu'à présent. Le fait que celle-là ne l'a pas reconnu. Donc nous en sommes toujours là. Il n'y a pas d'élection. C'est dans une irrégularité. On ne reconnaît pas Alpha. Un Il point, paraît que même un tiret. Abedi, dégagissement, même Abedi. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? C'est quoi? Et puis, ils vont mettre la croix sur deux villages de Wankifong, où les gens ont habité avant même lui, sa naissance. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? Ça, c'est un déguerpissement. On fait un déguerpissement quand on est capable. C'est dans la loi Oui, tu sais pourquoi il déguerpit les gens? Parce qu'ils n'ont pas voté pour lui. Je vous ai déjà expliqué cela. Le fait est que les gens ont pris de l'argent. Le Guinéen pense que quand il prend de l'argent pour les élections, c'est une redistribution, c'est son argent qui lui revient. C'est très bien, mais moi, je n'aime pas ce système. Pourquoi ne pas réclamer ses droits ouvertement? Un. De deux, Alpha dans sa tête, c'est son argent. Maintenant, ce que les gens oublient, quand on a donné de l'argent à Matoto, ou à Forcaria, ou à Mafereya, ou à Binti, on ne sait pas que Mali Sissoko a mis pour Paul ou pour Pierre. Non, on ne sait pas ça. On ne sait pas que Koundé a mis pour Paul ou pour Pierre. Mais on sait que la zone là, moi j'ai payé et que je n'ai pas gagné. Voilà. Ça, la personne peut le candidat là peut le savoir. Il peut savoir ça. Donc il se dit, si il est aussi désavoué de la sorte, il se dit, d'un moment à un autre, ces gens-là risquent de se lever ou ils risquent de me fatiguer ou je ne sais pas. Donc, je vais les occuper. Je leur donne une occupation. Parce que ça, c'est purement de la méchanceté. Purement Oui, et simplement de la méchanceté. purement, Maintenant, comme purement. vous ne voulez pas le déguerpir, comme vous ne voulez pas le déguerpir, lui, il vous déguerpit. C'est Ben ça. oui. Parce que c'est lui qui va Wonanane. être déguerpi. Wonanane. Et les gens qui n'ont pas voté pour Alpha, qui savent qu'il n'a pas gagné, moi, je vais vous le dire chaque fois que l'occasion se présente. Il y a des gens qui disent qu'on m'a payé. C'est très bien. Je ne vois pas pourquoi je vais laisser la bonne stratégie Payé pourquoi? pour aller Est-ce qu'ils savent m'approcher comment tu d'autre vis? chose. C'est ça que lui, il attend. Il se dit, personne ne va faire attention aux élections là. Ils vont s'occuper de leurs problèmes. Moi, je vais faire attention aux élections. Parce que si tu n'étais pas là-bas, tu n'allais pas déguerpir les gens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu nous prouves que tu n'es pas à ta place, on va te dire de partir. C'est ce que nous devons mettre dans notre tête. Laisser C'est l'affaire ça. de Peul, de Dalet, de Peul, on s'en fout. C'est pas ça la question. Quand tu es en guerre avec quelqu'un, ce qu'il pense que tu ne vas pas faire, c'est ce que tu dois faire. C'est tout. C'est En tout. ce moment-là, dans la Donc, tête de Alpha, les Guinéens vont se lever pour tout le monde. Les Guinéens vont se battre pour tout le monde, sauf pour Dalet. Mais vous allez chercher quoi en 2026? Vous allez passer tout ce temps-là. Les mêmes personnes qui ont fait les mêmes erreurs sont en train de parler de 2, 3, 4, 5 ans. Tandis qu'on a cinq un ans. problème déjà qui est là. Alpha lui-même, c'est un problème. Donc, si les gens ne font pas attention, et vous qui êtes sur les réseaux sociaux, je vais vous dire, il y a beaucoup de faux combats dans le combat. Tous les combats sont nobles, mais il y a des faux combats dans les faux combats. Tous les problèmes qui se passent en Guinée, c'est parce que ça ne va pas au niveau du peuple, c'est pourquoi on a de mauvaises têtes. Si on a le poisson commence par courir par la C'est tête, ça, c'est lui qui a dit ça. c'est lui qui a dit ça. Si lui, il C'est est lui, un gros poisson, le grimpeur. il est un gros Ah, poisson qui a la tête Wayne pourrie. C'est que les autres Guinéens sont des petits poissons qui ont des têtes pourries. Donc, il faut Denanounaki. qu'on arrange nos têtes. Maintenant, dans ce genre de situation, il faut voir les choses clairement et proprement. Ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut, ça c'est sûr. Mais moi, personnellement, je sais que je ne veux pas de Alpha. Ça, je le sais. Je ne sais pas qui je veux. Et je sais que à l'instant T, il n'y a aucun homme politique qui peut fatiguer et qui énerve Alpha et que Alpha déteste si ce n'est pas Cyril Hanouna. Si Ça, ce c'est n'est une pas celui. vérité.
Maintenant, oui, s'il y a d'autres personnes... Tous les autres sont des marionnettes. Voilà. Si d'autres personnes ont d'autres solutions, moi, je suis partante. On a plusieurs solutions. Parce que tout le temps, on se dit, il faut se donner la main, il faut se donner la main, il faut se donner la main. C'est très bien de se donner la main. Mais il y a des gens qui se disent, oui, on va se donner la main, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, ma soeur, avant la solution, uh-huh, moi, je voudrais un peu revenir sur quelque chose dont on oublie ou de certains font semblant d'oublier parce qu'ils profitent de la situation. On va faire la sosori. Après, Mangoulin, tu vas revenir ça. D'accord. Moi, maintenant, on va le faire. On va bien les sur ce taraké. Et là, quand Alpha Condé, son nom, mon nom, fait février l'année la Guinée. On a un gouvernement. On a fait la rambille en groupement. À moi, ma son nom, moi, élection fait voilà. Nana sort banquier la bille à fait. On a un an, mais où élection fait voilà, où mon compte fait le rené. Où compte fait le ré. Où attend l'oumane à Rawali là-bas. Donc, à Rafala Kabile Bilimbe. Alpha Condé Mounoma, si c'est là-bas de Wombeso. A projet Maya, Maya, Yat Maïra. Nakantou Naïra, la Guinekara Kororofi, la Guinekara Yarbifi, la Guinekara Lufi Nimisekui. Nanan Alpha Condé Nara gouvernement Yira. Et Rasso Sodera Yarabi, Nanan Neira. Awo Mukeli, Awo Mukeli, Alpha Condé Wolumane Nimisekui. A sa folle depuis. À sa fois, depuis, c'est retourné dans moi. Alpha Condé, c'est retourné, Guérin, Bira Kolo. À la barre, la fourine de Yahori. À sa retourné, Guérin, à moi, les bidis, n'allez vous bidis, c'est pas grave, moi. À ta guérin, Bira Kolo. Bira Kolo. Lance à la ponte, foi. À fin de lance à la ponte, Sendera. Conseillera. Et lance à la ponte, nous. Et t'en as lance à la ponte, nous, Djara Tagisso. Et Djara poussé, lance à la ponte. Attends, nous dit président de l'Assemblée. Quand Sosé est Makolo, quand Mire est Mayaba, ma Sosé, ben Sosé est Ranakolo. Et dans un compte, nous, Djara Traoré et Tagiso, ne fatagale Boroma, n'a pas ça, n'a pas ça, n'a pas ça. Et toi, Gennaré, man, n'a pas ça, Bouma. Et Tanan, Maninke, Wanye, qu'on a fait organiser. Attends, Yidamaro, et Tanan, n'a pas ça. Sosé, Mounakolo. Ji kaoma wao muon kata ji wolu mane nimise kwa agere so mane lagine ye gere la bila mane lagine lagine ki nan sosi kana nan kompra ji fe fu le fe muya se lu fe mi kide won kata won ga woma nya mane raso ye yira bandi doro nan malangu won go maiki ari kolo bandi doro nan malangu won go maiko mame re faka fuima. On no man ya manera so ye ya ye ya munki la to matina. Ye ya munki la to matina. Won bilaga so ombore won naba won go nyifu le feneki. Won bar makuya menera. Parce qu'a fana den reki, fana soche nan fandera. Et toi na fala ma bere be ko fu le femu ya. Et na gade de wo fu le na malima won ekeneso. Otam moi, tant que je finis, je suis un peu plus village que je suis un peu plus mara que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que donc, wonga keli, wonga bilagaso womboro ira. Wonga gi, wonga continue kine, wonga nafala, so se debe, fe naga naraba fe. Na kalum na ganaki quel fait kalum hanagi abuni ka kuluma buma adoro minere na ma won kabile koyaka ministre fori suma ibrahima suma ana etude rabane ana livre bi din sebagane ana taru bi din sebagane normalement capital lamba adoro di brekane fe no araba ki na niere je teng beta ya capital c'est pas trop tard. Mais il est en train de nous pousser comme ça, dehors, petit à petit. Nagan Nabariki, il va attaquer Kaloum et personne ne dira quelque chose. Parce que Kaloum qui est dehors, on est Eyati, mais là. Le jour où il va attaquer Kaloum, personne ne dira quelque chose. Bessia ne va pas se lever, l'axe ne va pas se lever. Tu sais, hein?
Voilà, il dit la même chose en fait, en fait, Wali Nana, Wali Mundu, Wule Wali. Wali ne reine ira singe ne muraba. Ki Wali folofe. Iwa ma Wali folofe, iwa ma chende ya lanfe. Mais i constitution na ranka nari. Ba wola ma fe mara, bile nama. I mula ma findi mangera be sono. Ki wa ma dunia na ya lanfe, la Guinea na ya lanfe. Bile nama. Asa quel fera 8 novembre mani, isiga handon kadera. Et ça n'a qu'il y a quoi, à Nyaïria. Kaya. Hantouk n'a qu'il y a Moussari. Kaya. Et ça fallait pas vivre ça, ma. Et ça fallait pas vivre ça, ma. Depuis ce n'est, il dit de Yangelda, n'a qu'un bar, ministère de travaux publics. Et pas vivre ça fait calom bilma. Et Mounassari. Mais dis en quoi, ma, à Toumboulina Namirira. Oui, oui. Tu sais, hein? Renseigne-toi. Alpha a toujours méprisé les Guinéens. Toujours. Il a toujours pris des Guinéens pour des moins que ça, ce n'est pas une nouveauté. Il est Alpha Condé Moufari ou Mali Dere. Alpha Condé Foire ou déstabiliser Dede. Alpha Condé a eu toutes les occasions de sortir la Guinée de cette situation. Il a catégoriquement refusé par mauvaise foi. Il est venu, je ne sais pas à qui il obéit. Parce qu'il faut obéir à quelqu'un qui en veut à la Guinée, hein, pour faire des trucs comme ça au pays. Il a eu toutes les occasions. Mais, ma soeur, Dadis Zande Goudroné René, Lambagne Biri, Anoun Kipé, à Goudroné René, sans aucun accompagnement, les fonds propres de la Guinée. Et autre, Alpha Condé Tagam Manamadi, et la Falara Karang Sorbonne. Donc, la Guinée, qui est racole, Sosué surtout. Sosué, Mona Tournebe, Hali Moubarigny, et Pirari, qui fait des fora et ma colombe à femme m'a dit d'un an mot en attendant à catérane et tout le matin mais rira qui m'a dit d'un an à ouen à fourou une enfant la mébé qui m'a dit des gars il m'a dit il a dit il faut la remise ma sorcière à colo alpha con de foire ou n'a pas dit d'un an à l'an an à pour manaki maintenant une femme a expliqué des iran à tout pourquoi on a hérité. Ou bien pourquoi? Je vais expliquer ça aujourd'hui au Guinée. Pourquoi? Donc, c'était quoi déjà? Non, mais je parlais aux parents Soussou qui sachent que Alpha Condé est venu pour déstabiliser la Guinée. Il a commencé son combat voilà, là. Voilà, oui, là depuis Sékou. Depuis Sékou, il a combattu Sékou. Il a combattu, comment dire, l'Ansana Conté. Il a même fait un livre par rapport à toute cette situation-là. Les gens connaissent. Il ne faudrait pas qu'on ferme les yeux sur ça. Voilà. Donc, moi, j'ai un truc à rajouter. Parce que la plupart, ce sont des gens qui sont en Guinée. Ce n'est pas facile. Eux, ils n'ont pas l'immunité, quoi. J'ai un truc à rajouter. J'ai discuté de ça avec quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi Alpha méprise les Guinéens et pourquoi ils se comportent de la sorte? Dans la discussion, il s'est ressorti là-dedans que toutes les personnes qui étaient des gens farouches avant, Alpha a réussi, que ce soit les hommes religieux ou toutes catégories confondues, il a réussi à les humilier tous à sa manière, à sa façon. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Comment il a réussi à faire cela et pourquoi? Déjà, à la base, il a toujours méprisé les Guinéens. Toujours. Quand il venait en vacances en Guinée, il disait qu'il va chez les sauvages. Donc, il a toujours pris des Guinéens pour des aliénés. Voilà, c'est ça. Mais, moi, je vais profiter de cette occasion pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, pour qu'ils le comprennent aujourd'hui. Vous savez, nous, les Guinéens, c'est ce que tu viens de dire. Quand il y a des trucs qui se passaient sur l'axe, c'est une histoire de peur, on s'en fout. Mais en même temps, la Guinée est une famille. Et aujourd'hui, on voit là-bas ce qui se passe. Donc, chacun recorte ce qu'il a semé. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Bah oui, bien sûr. Quand on a vu Alpha, moi je me rappelle quand j'étais toute jeune, j'ai vu beaucoup d'injustices que le RPG a subies. Beaucoup d'injustices que Alpha a subies. Moi j'ai été témoin de ça. J'avais du mal avec mon âme de petite fille, j'avais du mal à supporter ça. J'avais beaucoup de mal à me supporter. Ça m'énervait énormément. Je pouvais être dans un groupe d'enfants, la seule à défendre Alpha Condé, parce que je disais, c'est pas normal. Vous voyez, ça, c'est ma nature. Alpha a subi cela. En Guinée, personne n'a levé le petit doigt. Quand il a fait de la prison, à part
les gens qui manifestaient à l'étranger, la plupart étaient des peuls. Madame Kondé, Madame Samy Doussou Kondé a parlé de ça ici une fois. Vous voyez, aujourd'hui, je veux rappeler les Guinéens, il se passe la même chose aujourd'hui avec ceux qui sont en prison, avec celui d'Alain Diallo, la même histoire se répète. Les Guinéens fabriquent les monstres. Ce sont les Guinéens qui fabriquent les monstres. Ma soeur, motion, je ne te coupe pas la parole. Alors, à ce niveau, le RPG est une simple manipulation. Oui. Alpha qui a chosifié le RPG. Le fait que... Au fait, tout a été organisé, planifié par lui. Le désaccord entre Diarra Traoré et Lansana Kotte, c'est Alpha qui l'a organisé. Il a tout planifié. Il a fait semblant seulement d'être aux côtés des autres pour qu'il se hisse aujourd'hui là où il est. Tout ça. C'est une simple manipulation. Alors que les autres, c'est-à-dire le fait que le RPG souffre, c'était une volonté de Alpha. Oui, ça c'était une volonté de Alpha. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais pourquoi je dis ça? À l'état que tu vois là, les études de faisabilité étaient finies, bouclées avec Sectoré. Il ne restait que le financement, qui était à peu près à moitié aussi financé par la France. Alpha et consorts ont boycotté ça. Pourquoi? Pour amener la frustration au peuple, pour que le peuple se soulève contre Sectoré. Mais il n'a pas réussi. Le type était un grand propagandiste. Oui. Donc, la frustration de 85, c'était une volonté de Alpha. Et nous sommes toujours dans cette même situation-là. Il n'arrive pas à redresser là. C'est lui, c'est ça sa volonté. Alors, si les Malinqués se sont sentis un peu écartés ou piétinés au temps de Kotte, c'est Alpha qui l'a voulu. C'était pour énerver les Malinqués et les autres contre Lansana Kotte. Oui, moi je comprends tout ça. Là, moi je suis en train de parler du peuple et des gens qui ne sont pas dans la politique. Les imams et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils n'ont rien fait. Il faut reconnaître ça. Ils n'ont rien fait aujourd'hui. Que ce soit Dalé, que ce soit Fodi Kemenge, que ce soit Gawal, que ce soit tous ceux qui sont en prison, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne fait rien. C'est la même chose qui se répète. Oui. Quand nous l'avons sorti, peut-être, moi je me dis aujourd'hui, est-ce que avant Alpha a une mauvaise foi à l'illimiter aujourd'hui? Mais à la base, au début, peut-être qu'il avait une mauvaise foi qui était à 10%, que le comportement des Guinéens ont aggravé. Regardez ce que ce monsieur a dit aujourd'hui. Tout le monde sait que ce monsieur a gagné. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas pour l'anéantir et l'humilier et le détruire? Et on insiste parce qu'on se dit, oui, il faut insister, hein, parce que sinon, s'il arrive là-bas, on est foutu. Donc, il faut insister. Au lieu de faire marche arrière, d'arrêter, de stopper. C'est ce que je veux dire aux Guinéens. À un moment donné de la vie, il faut se remettre en question, se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'Alpha? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi nous, on est comme ça? Il y a quelqu'un qui va intervenir, hein, on va le prendre. Oui. Il a beaucoup insisté. Écrit, je ne sais pas. Et qui veut parler 5 minutes. On vous donne 5 minutes, hein, monsieur. On vous écoute. Merci beaucoup de m'avoir. Vraiment, je salue le monsieur, votre invité, qui chevauche le thème avec... une connaissance parfaite. Vraiment, la situation, c'est une situation délicate. Comme vous l'avez dit, chaque chose devait avoir son temps en République de Guinée. Mais vraiment, les politiques ont réussi à mettre les populations à dos. Vous-même, vous avez tout de suite, avant que je m'écrive le message, heureusement, vous avez martelé le point là, du fait que madame, c'est Doussou Kondé. Vous avez sorti, vous m'avez devancé tout de suite, parce que c'est ce que j'allais dire. Du fait que, au temps où les jeunes de l'Axe
se sont réveillés. Tout le peuple de Guinée a abandonné ces jeunes-là. Oui. Tout le monde. Vous savez, le fait de ne pas se lever, accompagner la vérité, ça, c'est de l'hypocrisie. Oui. Et ça, le peuple de Guinée continue sur l'hypocrisie-là. Oui. Et aujourd'hui, une partie de la communauté guinéenne est meurtrie. C'est pas facile de cicatriser ça. Oui. Et sous l'ère Alpha Condé, ces jeunes sont fatigués, ils sont embastillés. Il y a encore plusieurs centaines de jeunes qui sont en prison, qui ne sont pas sortis, mais ce qui est marrant, le reste de l'autre population encore est là, et c'est ça aussi le problème. Oui. Imaginez, jusqu'à présent, il y a des jeunes, c'est récemment, il y a eu une dame qui a reçu le corps de son enfant, de l'Axe, ça fait même pas plus de 2 mois, et encore, il y a des jeunes qui sont en prison. Il y a encore des politiciens de la vérité qui sont en prison. Oui. Il y a des leaders pour la vérité qui sont en prison. Mais jusqu'à présent, il y a le peuple qui ne s'élève pas. Alpha Condé continue encore à tergiverser sur des choses. Donc moi, je vous dis, vous faites un bon combat, un noble combat. Mais comme vous l'avez si bien dit, les gens déplacent le vrai combat. Le vrai combat doit être ça. Ce n'est pas le fait parce qu'on l'a cassé. Je vais vous dire un truc. Il y a quelqu'un qui dit tout serait perdu si le même homme exerce les 3 pouvoirs. Allô? Et Alpha exerce tous les pouvoirs en République de Guinée. Et aucun pouvoir ne puisse bouger si le pouvoir politique ne bouge. Quelle que soit la pauvreté d'un pays, c'est la politique qui peut nous aider à nous développer. Oui. Tant que la politique ne bouge pas, l'économie ne bougera pas, le social ne bougera pas, la culture ne bougera pas. Aucune activité ne puisse bouger, mais la politique d'abord au devant. Donc si la politique est pourrie, absolument rien ne peut fonctionner. Parce que dans tout, il faut de la politique, il faut de la réflexion. Oui. Donc ce qui est sûr, parce que moi je ne vais pas aller jusqu'à dire aujourd'hui parce que les pères sont résignés, mais il faut avoir le courage, l'amabilité de réorganiser encore les troupes et de redynamiser les peuples. Parce que moi je sais, une fois que les peuples sont, ce sont ragaillardis encore, ils peuvent avoir beaucoup plus de courage. Mais qui sont les gens qui peuvent les ragaillardir aujourd'hui? C'est sûrement les sous-sous et les quelques forestiers. Les forestiers, je les connais bien, j'ai exercé en Guinée forestière. Les sous-sous qui sont là, Alpha a joué sur leur, sur cette fibre ethnique pour dire que c'est eux qui l'ont bambou, ceci, cela, et se sont amorphénés, ils n'ont pas pu accompagner la vérité. Mais aujourd'hui, quand il y a casse, je vous assure, déjà, j'ai de la peine en parlant de ça, parce que ça ne devait pas être un sujet comme ça. Le fait de parler politique jusqu'à aller parler communauté, ça me dérange au fond de moi, vraiment. Mais c'est la réalité de notre pays, les politiques ont divisé. On n'a pas le choix. Les politiques ont divisé. Donc, quelle que soit la stratégie, il faut une stratégie d'union communautaire encore. Oui. Il faut pouvoir unir les communautés, c'est l'essentiel. Non seulement, frère. Non seulement ce n'est pas pour te couper la parole, non seulement il faudrait qu'on change aussi notre manière de communiquer. Parce que les autres ont été amadoués, on les a freinés dans le combat. Sinon on était bien partis. On a fait croire aux gens, et surtout à la communauté Soussou, qu'après, comment dirais-je, Alpha Condé, c'est eux, à travers Kassori, qui vont prendre le pouvoir. C'est ce qui est faux. Ça s'avère faux aujourd'hui. Changeons notre manière de communiquer. Ça devait être visible parce que sur le plan, ça ne se dessinait pas. Moi, Kassori, pour ne pas vous couper, quand je dis ici, Kassori, moi, j'ai géré le journal de son parti. Le journal de son parti, je l'ai géré. Au GPT, je n'étais pas militant, mais je l'imprimais. C'est moi qui imprimais le journal de son parti. Donc, du coup, ça ne se dessinait pas. Un premier ministre, selon la constitution, tu ne peux pas remplacer. Au moins, il allait abandonner la primature pour aller à l'Assemblée nationale. C'est ce qui se dessine. Après, aujourd'hui, Alpha Condé, c'est la main droite. Et constitutionnellement. Sur l'écran, ça fait gauche. Mais c'est ma main droite. Donc, c'est la main droite. Donc, aujourd'hui, les sous-sous, pour dire le mot, les sous-sous, vraiment, c'est l'échec du FNDC. Et à travers Kassori, Kassori a aidé à l'échec du FNDC. Parce que c'était là le combat de la Guinée. C'est là où tous les Guinéens pouvaient s'unir. Autour du FNDC. Et Alpha, à travers Kassori et autres, ils ont affaibli le FNDC. Mais encore, comme c'est arrivé là, parce que c'est la souffrance, ils vont continuer à... Ils ont commencé par Kapoor pour parler de ces cases-là. Moi, je sais que les cases-là vont continuer. Aujourd'hui,
ils vont aller casser des villages en En villages, fait, ce sont des pauvres il personnes. faut se préparer mentalement. Il y a trois solutions. Hein? Il y a trois solutions. Oui. La première solution, on les ramène là où ils ne veulent pas réclamer la victoire de Dalin. La deuxième solution, laisser Dalin réclamer le départ de Alpha. À ce moment-là, il va nous prendre pour des guignols comme d'habitude. Il va se dire, mais je vais partir, qui va venir? Vous voyez? Et même la population va se dire, oui, mais vous voulez qu'il parte, qui va venir? Il faut être logique et cohérent quand tu demandes quelque chose et quand tu mènes un combat. Il ne veut pas entendre ça. Wallahi, vous allez sortir 50 000 solutions. Tant que ce n'est pas la solution, même si ça ne marche pas, il ne veut pas entendre ça. C'est ça qui peut lui gâter son sommeil. Ce n'est pas autre chose. Mon On va lui frère, dire, il va partir. Il y a une partie qui a voté. Il y a une partie qui n'a pas voté. Ils vont dire, OK, nous, on a voté pour un tel. Comment on fait? Alpha va partir. On a fait tout ce qu'on a pu voir. madame, actuellement, Oui. pour dire vrai, en Guinée, le fait d'aller aux manifestations, tout le monde a envie d'aller aux manifestations, mais je sais bien, en Guinée, connaissant la communauté là, ça va pas être facile de réunir la population sans les peuls. Pour vous dire vrai, vous avez vu ce qui s'est passé en Haute-Guinée ces jours-ci. Ils ont voulu manifester pour l'électricité. Mais ils ne pourront jamais. Pourquoi? Parce que tout qu'on fait, un petit peu, un groupe est servi de 5 millions, de 2 millions, ça ne va pas être efficace. Je connais comment Kaloum fonctionne. Je connais comment Matam fonctionne. Je connais les jeunes de Sidia, comment ça fonctionne dedans. Et on a vu son jeune qui a abandonné son parti à cause de l'argent, qui n'a pas Il encore faut eu un poste que, de responsabilité. écoutez, déjà, Mais, mentalement, il faut que les gens, c'est un long travail, il faut que les gens sachent que c'est possible. Il faut que eux aussi sachent que les gens la voient là où on ne c'est veut pas qu'ils possible, partent. mais là où je veux en venir, là, la seule possibilité, c'est quoi? La seule et unique possibilité, c'est la solution. Vous avez donné la solution. C'est à ce que tout le peuple, vous savez, Dieu, vous aimez tellement parler de Dieu que j'aime votre émission. Vous savez, Dieu fait toujours triompher la vérité. Et dans ça, là, tout le peuple de Guinée, jusqu'au dernier Guinéen, saura reconnaître la victoire de Alassane Ouattara. Et je ne parle pas juste pour pouvoir parler. Tout le peuple de Guinée, de Kassa à Yaoundé, non, tant que ça ne se passe pas, pourquoi? Parce que il y a eu des véridiques personnes qui ont voté, des véridiques personnes qui ont soutenu, des véridiques personnes qui ont fait le combat pour que cette vérité triomphe. Et une partie des Guinéens, plus l'argent de tout le contribuable, ce sont assis et indignés, ils ont arraché la victoire là. Sur ces paisibles citoyens-là, ils ont tué, ils ont embastillé jusqu'à présent, ils torturent et ils emprisonnent. Il n'y a pas de problème, mais Dieu faisant, les autres là qui n'ont pas pu soutenir, qui ont soutenu ce mensonge-là, aujourd'hui cette pauvreté-là va ronger tout le peuple de Guinée. C'est le repentir qui va venir en Guinée. Mais le repentir commence par la vérité d'abord. C'est la vérité. Il faut que les gens acceptent ça. Oh, vraiment, c'est le repentir. Les Guinéens vont se repentir C'est et que les puis gens acceptent vraiment, la vérité. c'est tout le monde. Maintenant, on va pas. C'est sûr, on va avoir une bonne constitution en Guinée. 6 ans. Parce que ceux qui parlent là, ils préviennent déjà, ils préviennent des malheurs. L'essence va grimper. Quelle que soit la Rien de situation, bon. quand l'essence grimpe à 50 000, Rien de à bon. 50 000, Tu n'es même pas à ta place. Rien de bon. Je Mais dis, je n'ai pas même pas à sa de place. Tu veux vous fatiguer? On n'a pas voté pour toi. Je vous donne un exemple. Quand l'essence monte ici à 50 000, regardez, avant, quand on annonçait des trucs comme ça seulement, sur l'axe, à Caporeraie, à Koza, même si c'est les informations, les enfants ont barricadé. Pourquoi? Parce que c'était pour la nation. Quand l'essence monte, ça ne monte pas pour un peuple, ça ne monte pas pour un malinqué. Mais ça, là, il y a eu l'annonce. Parce que seulement les peuples sont venus On va, mon l'axe frère, sur y a quelque, on va prendre, l'axe. on va prendre quelqu'un d'autre aussi, pardon. Vous n'avez pas besoin de ton bocal. D'accord. Ouais, vas-y. Allô? On vous écoute, monsieur. Comment Oui, ça va? bonsoir. Vous allez Bon, bien? ça va, et vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ah, vous avez tout Bon, appris, j'ai hein? regardé votre émission, vraiment, je suis trop ravi de votre émission. Chaque fois que je vous regarde, bon, j'aimerais juste intervenir juste 5 minutes D'accord, si 5 vous minutes, me oui, permettez. allez-y. Allez-y. Ok, oui. Vous avez 5 minutes.
On vous écoute. Il y a quelqu'un qui est Okay. tellement. Moi, j'aimerais dire à la population guinéenne, ils n'ont qu'à savoir que, la Guinée, c'est pour eux, c'est pas pour Alpha Condé. C'est pas pour Alpha Condé. Ils doivent comprendre. Alpha Condé, c'est pas le président. Il est assis là, il sait bien que, ouais, il n'est pas le président. Consciencieusement, il est assis là, à ses coutures, il sait, consciencieusement, il connaît, vous savez. Mais la population guinéenne doit comprendre pourquoi. Pourquoi ils sont là calme? Pourquoi ils sont là calme? Ça me fait mal quand je vois les enfants tués comme ça dans la rue. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. Quand un peuple n'aime pas, mon frère, quand un peuple n'aime pas la vérité, ça veut dire que le peuple n'est pas sur le chemin de Dieu. Donc Dieu le châtie. C'est comme l'histoire de Moussa, de Moïse. Quand ça a chauffé, s'il n'avait pas appelé Dieu, l'eau là allait l'emporter, lui et toute sa tribu. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui se passe en Guinée. C'est un peuple qui n'aime pas la vérité. C'est ça, moi je vois. Oui, moi aussi, ça, je vois. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et puis encore, je vois l'armée le supporter là-dessus. C'est bizarre un peu. Oui, on va venir à l'armée. Ça, c'est un autre débat. Je vais vous laisser prendre quelqu'un d'autre, si c'est possible. Ils n'ont qu'à savoir que le vieux là, il tend vers la mort. Il n'a pas 5 ans à 6 ans à faire. Il tend vers la mort, le vieux. Lui, il est fatigué. Même s'il connaît quelque chose, il ne peut plus faire quelque chose, lui. D'accord. Il est faible. Conscientisement, il est faible. Les Guinéens doivent comprendre. D'accord. Ce qui reste clair, ma Guinée, ce qui reste clair, nous devons appeler au rassemblement. Allô? Allô? Mon frère, il faut éteindre derrière là-bas. On entend le direct derrière vous là-bas. Éteignez. Quand les gens appellent sur les directs, tu ne comprends pas ça. Ils veulent s'entendre parler. Comme si vous pouvez regarder plus tard. Vous vous concentrez sur l'appel. Vous pouvez vous écouter plus tard. C'est incroyable ça. Ce monsieur a appelé, je ne sais même pas combien de fois. Je vais essayer de l'appeler. Ah, mais il a dit, on a lui rendu Falaka. On voit qu'il est. On a un yaman et il a fini. Donc, je disais, faux, on va au moins. Bonsoir, bonsoir. On vous donne 5 petites minutes, mon frère. J'ai déjà été dans votre passe, donc je suis le prioritaire. Donc, oui, allez-y. Non, moi, je dis que ce que je vais dire aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans la défensive, dans, comment on appelle ça, dans la victimisation. Moi, je dis seulement une chose. Et retenez ça cette fois-ci. D'accord. Le problème. Soit lui-même, il va dire la vérité, il va donner celui qui a gagné. Sinon, maintenant, moi déjà, j'ai une solution, je propose une solution. Allez-y. Parce que quand il y a un problème, il faut avoir une solution. Oui, maintenant, ce que je veux, je voudrais qu'on appelle peut-être la communauté internationale ou en tout cas des experts. Monsieur Dallet, qui a dit qu'il a gagné. Tous, il nous a montré, on a vu ça. Donc, les autres aussi vont envoyer. Vous m'entendez? Oui, ça va. Donc, pourquoi on ne peut pas venir confondre les deux pour voir maintenant qui a gagné? Sinon, à part ça, qu'est-ce que vous pensez du déguerpissement? Non. Non, moi je dis, je ne veux pas être trop fataliste, mais moi je voudrais qu'on commence par ma concession, moi-même. Et que tout le monde, même le président, il n'a qu'à dormir dehors, tout le monde va dormir dehors. À ce moment, on va savoir ce qu'on veut. Il faut non, casser. Mais
faut commencer non, par, mais... par là, et puis casser tout. Et puis tout, il n'y aura pas une maison en Guinée. Donc, on va rester. D'accord. Vous, votre solution, c'est bon. Non, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il a une part de... Vous avez déjà cassé quelque part. Vous n'avez rien fait là-bas. Il faut d'abord aménager là-bas, selon vous, faire des choses là-bas. Et puis après, lorsque vous allez partir dans une autre commune, et puis les gens vont comprendre. Oui, oui. Mais casser seulement pour casser. Oui, je comprends. Non, il n'a pas l'intention. C'est pour fatiguer les gens. C'est tout. C'est pour vraiment qu'on parle des élections. C'est la mauvaise foi. C'est ça. Vous savez, le problème, c'est quoi? Ils n'ont plus d'argent. Ils ont pris tout l'argent qu'ils ont dépensé dans les campagnes. Pour avoir le troisième mandat et le présidentiel. Donc, et la présidentielle. Donc, ils n'ont plus rien. Donc, maintenant, il est fâché. L'Union européenne a dit qu'ils ne donnent pas l'argent. Les États-Unis, Joe Biden est venu, il a dit, bon, c'est fini, ça, ils ne donnent pas. Maintenant, la Guinée n'a pas autosuffisance, on n'a pas d'argent. On ne produit pas. Donc, on vit par les aides de l'Union européenne, de la France, des États-Unis. Maintenant, ces gens-là, on dit qu'ils ne donnent pas. Tant qu'il n'y a pas une stabilité politique, ils ne donnent pas. Et maintenant, il n'y a pas l'argent. On va faire quoi? On va tout casser. Donc, moi, ce que je dis, le problème, moi, si vous me demandez, madame, je dis une seule chose, deux solutions. Soit, Alpha reconnaît qu'il a perdu les élections ou il n'avait même pas le droit de se présenter. C'est ça. Les arbitres vont venir voir. D'aller à ses preuves, il a montré qu'il a gagné. Vous aussi, vous avez dit que vous avez gagné. Maintenant, la communauté internationale va venir, ils vont voir qui de vous a gagné les élections. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce que si vous êtes sûr de vous, si on dit voilà un arbitre qui va venir, pourquoi vous avez peur de ça? Non, mais monsieur, mon frère, ce n'est pas un débat, il n'est pas sûr de lui, on va même parler là-bas. Vraiment, madame. Merci beaucoup, comme vous avez invité, on aura l'occasion de vous contacter, on aura l'occasion de... D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci. Ça ne va pas, il ne peut pas, il n'a qu'à... Allô? Ceux qui appellent là, celui qui appelle là, Yandi, il faut appeler après, Yandi, pardon. Il y a quelqu'un qui appelle de, je sais pas, on va finir avec celui-là. Celui qui appelle de la France, je vais vous rappeler après, s'il vous plaît. Lui, il a un problème de connexion. Bundes Wongaka, allô? Oui. Oh. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir, Madame Sissoko. Oui, bonsoir, bonsoir. C'est qui? C'est depuis... Ah, comment vous... Non, vous, là, c'est très long. Quand vous parlez, c'est trop long. Je reconnais la voix. C'est 3 minutes, hein. Mais comment voulez-vous qu'on parle d'Alpha Condé, que ce ne soit pas long? Oui, c'est mais bon. Quand même. On va donner Il faut donner l'opportunité aux autres aussi. Attends, faut le faire. D'accord. 20 minutes. Non, avec Souma Kamehamara. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Merci beaucoup. Merci une fois encore pour l'opportunité que nous offrez. Vous savez, nous réjouissons beaucoup de vous suivre et de venir intervenir chez vous. Donc, quand vous ne faites pas ces lives, là, ça nous manque énormément. Ça s'appelle Marie-Vérité. Parce que je sais que vous avez parlé de deux points, notamment le déguerpissement et peut-être la victoire du président Sylo. Maintenant, sur le déguerpissement, c'est très simple, vous l'avez dit, hein, vous répétez à longueur de journée. Tout ce qui anime Alpha Condé dans ce déguerpissement,
D'abord, c'est la haine qu'il a contre le peuple de Guinée. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est la vengeance. Il n'y a pas autre chose. Mm-hmm. Donc il a organisé des élections mm-hmm. où personne n'a voté pour lui. Mm-hmm. Donc c'était une déception totale. Mm-hmm. Donc il faut se venger contre le peuple qui a voté pour le président Sélou. Mm-hmm. Maintenant, il faut pénaliser tout le monde. C'est la vengeance. Donc, accompagné de la haine, parce que le déguerpissement, une fois encore, si nous parlons d'un cadre légal, d'un cadre démocratique, d'un cadre d'un État qui connaît ses prérogatives et ses responsabilités, mm-hmm. nous savons bien que c'est quelque chose de normal. Il faut à tout moment revoir les constructions, revoir le plan cadastral. L'État doit opérer dans ce sens pour vraiment moderniser la cité et tout. Ça, c'est normal. D'accord. Mm-hmm. Maintenant, pour le faire, il faut le faire dans les règles de l'art, respecter la loi, c'est-à-dire mm-hmm. un d'abord. Faire quelque chose. Ah, d'accord, je crois que j'avais perdu ma connexion, comme j'utilise le WhatsApp. Non, il y a des gens qui appellent en même temps, c'est ça qui fait ça. Madame Sissoko mm-hmm. Voilà, donc je vais finir rapidement par rapport au déguerpissement. Ce que je disais, c'est que nous savons bien, je pense que le peuple de Guinée, même cela, dissocié, ce que voudrait faire l'État, mais avec une bonne volonté en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire dans le cadre de réorganiser le pays, réorganiser les constructions, mm-hmm. réorganiser les domaines de l'État, tout ça c'est normal, l'État c'est dans ses prérogatives. Mm-hmm. Mais la question qu'on devrait se poser, comment est-ce qu'on devrait faire cela? Mm-hmm. D'accord? Donc nous voyons aujourd'hui tout à fait le contraire. Mm-hmm. Donc on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé à Kapuro-Rai. Aujourd'hui ils s'acharnent contre toutes les populations de Conakry. Ils vont plus loin au niveau de la basse-côte, aller détruire les biens des gens, les gens qui ont souffert des années et des années pour faire ça. Mais c'est la malédiction qui s'abat sur Alpha. Alpha, c'est qu'il faut savoir, il est vers sa fin. Mm-hmm. Donc, vous savez, il est tellement acculé, il ne sait plus quoi faire. Donc, il faut créer des problèmes un peu partout et il ne sait pas où est-ce qu'il faut s'en tenir. Mais, ce qui reste clair, les bonnes analyses montrent qu'il tend vers sa fin. Et il crée une situation qui va l'emporter dans soupe. Et moi, tout ce que je peux demander, restons dans la conscience, restons dans le combat qu'ils sont en train de mener, dénonçons dans la mesure du possible, et quand l'opportunité va se présenter où il faut vraiment réclamer nos droits à travers peut-être les manifestations ou d'autres stratégies, mm-hmm. n'hésitons pas, mais restons quand même engagés pour la cause du peuple guinéen, restons engagés et pour le changement. Aujourd'hui, le combat se mène entre la vérité et le mensonge. Alpha Condé, on va beau le dire, mais il incarne le mensonge et lui et son système, mm-hmm. et la vérité, le peuple le détient. Mm-hmm. Maintenant, pour terminer, par rapport à l'élection du président Sélou, nous, on continuera toujours à défendre cela. D'ailleurs, le président Sélou, aujourd'hui, c'est le seul qui détient la légitimité d'Alpha Condé. Si là, c'est le 7, il dit par exemple que lui, il reconnaît Alpha, il aura donné toute sa légitimité à Alpha. Il ne va pas faire ça. Il est allé sur tous les angles, il n'arrive pas à avoir sa légitimité. D'accord? Parce que c'est le peuple qui donne la légitimité. Et le président Sélou a été investi d'un vote légitime parce que c'est le peuple qui l'a donné. Et le monsieur qui venait d'intervenir, il a abordé un point important. C'est-à-dire l'intervention de la communauté internationale pour intermédier. C'est ce que le président Sélou a dit. Non, je finis, madame. C'est le dernier point. Alors, amène-y. Par rapport toujours à la reconnaissance. À la reconnaissance. À la numéro 3. Bon, c'est intéressant. Vous mettez c'est intéressant. Je vais terminer à deux phrases. Excusez-moi, allez-y. Il n'y a pas de problème. Vous, y a vous pas savez, problème. Par rapport à la communauté internationale. La parole. Dans la conclusion, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la reconnaissance.
Vous savez, le président Sellou, il a, parce qu'il a, il a eu beaucoup de pression sur le président Sellou par rapport à la reconnaissance de la victoire de Alpha. Le président Sellou a été très clair. Il dit, je ne saurais reconnaître la victoire de Alpha Condé que lorsque vous-même vous viendrez sur place, on va exposer tous les faits. Si tous les faits prouvent que c'est Alpha Condé qui a gagné les élections, sur le coup, je vais reconnaître sa victoire. Sinon, dans le cas Conté, je ne vais jamais reconnaître. Et moi, je suis sûr, je suis convaincu de ma victoire. Parce que les preuves palpables sont là. Le peuple a voté, on a mis un système logiciel sur place qui a pu recueillir tous les résultats, les compiler et faire un calcul qui a pu donner le résultat de 53,84% au président Sellou avec tous les PV, prouvés aussi qu'on a. Tout ça, tout a été centralisé. Tous nos délégués ont réussi. Et ça, c'est à 85%. Les résultats du PV, parce que dans certains lieux, ils ont brigandé les bureaux, ils ont brigandé les PV. On n'a pas pu récupérer. Mais dans la majorité des cas, on a pu avoir les PV. Et les preuves sont là. Nous, on n'invente absolument rien. Donc, merci une fois encore, Mme Sissoko, pour cette opportunité. Je m'excuse encore auprès de tous ceux qui nous suivent, surtout auprès de vous, parce que je monopolise souvent. Mais sachez que nos cœurs sont là. C'est vraiment. Voilà. Allez, merci une fois encore. Portez-vous bien. Qu'Allah vous bénisse. Amine. Allez, bye. Merci. Au revoir.